Monsieur Monnier, vous présentez un quintet de jeudi, Imad Gouz, Asdus. Quelle impression vous a-t-il laissé pour sa première à ce niveau? Bien, ouais, c'est pas mal parce que c'est un cheval qui est peu expérimenté, donc il découvrait ses vrais pelotons tout flux. Et non, il s'est bien comporté, ouais. Ah, parce qu'il s'est montré courageux, hein. Carrément, c'est un cheval qui est assez volontaire, qui a de l'abattage, qui est assez maniable aussi. Voilà, donc c'est un cheval qui est vraiment fait pour ses grands handicaps. Hein. Comment a-t-il resté depuis ce 14 mai? Très bien, ouais, c'est un cheval qui est facile à entretenir. Donc, non, il a fait beaucoup d'entretien, il a un bon moral, il se blesse, on est bien. Donc, non, on est bien, un jour ou l'autre, le terrain souple, il est mieux. Mm-hmm. Donc, il a sommeillé un peu d'eau en région parisienne. Ouais. Voilà, donc c'est un cheval d'un jour ou l'autre, je pense qu'il sera capable de décrocher un café. Hein. L'hipporome de Paris-Longchamp, bah, il va le découvrir, hein, comme beaucoup. Comment il vous apprendiez ça? Bah, vous savez, il a fait fougère. Hein. Donc, il va pas être désorienté avec la montée et la descente, déjà, main droite, voilà, donc, Longchamp, ce sera vraiment grand pour lui. Hein. Ouais. Non, il fera mieux, il a sa grande action, mais lui, il avait couru en province, il a jamais eu de problème avec le tracé pour lui, il s'est toujours bien adapté, donc non, c'est pas un inconvénient. D'accord, vous avez parlé d'une confirmation. L'inconvénient, c'est plus l'opposition qui sera sûrement un peu relevée, c'est un cheval avec qui on a gagné en début d'année. Et avec qui on a été pénalisé d'entrée de jeu, donc on se retrouve dans les quintés, c'est ça qui est un petit peu difficile. On aurait été en deuxième épreuve au départ, un peu pour la guerre dans les handicaps, ça aurait été un peu mieux. Mais bon, là on se retrouve directement en bas de tableau des quintés, donc on est obligé de jouer le jeu maintenant. D'accord, donc c'est vraiment une confirmation sur sa dernière paire, c'est pas vendu probablement. Voilà, après il y a des bons chevaux qui sont plus chargés que nous, c'est sûr, mais il devrait des Max Lafrepo, des chevaux comme ça, c'est vraiment les chevaux de quintés. Hein. Mais nous, avec nos petits poids, de toute façon, on n'a pas le choix des courses avec lui, donc on est obligé de tenter cette catégorie-là, et on va faire tout ce qu'il va pouvoir, en tout cas. C'est un chat qui a absolument besoin de l'aide de l'avant, comme ça? Non, c'est après, il a beaucoup d'abattage, donc c'est un chat qui aime bien avoir ses aises, donc il aime bien être de l'avant, mais bon, c'est pas une obligation non plus, c'est pas un débouleur non plus, c'est plus un accrocheur aussi, donc il est bien quand il a un peu de l'avant, un peu à imposer son rythme.